upgrades to lighting, player read, and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Partie à avoir accès à la bêta de CS2, on se rend bien compte qu'il manque encore pas mal de features de CSGO, que ce soit certaines commandes, des modes de jeu ou encore des replays. Aujourd'hui, sur le menu de CS2, il n'y a toujours pas d'historique de match, pourtant il est quand même possible de revisionner tes matchs, contrairement à d'autres jeux compétitifs qui sont sortis depuis plusieurs années. En effet, les démos restent accessibles sur Steam, et il est donc possible d'y accéder soit par CSGO, soit directement via Steam. Pour ce qui est de CSGO, comme d'habitude, il faut cliquer sur Regarder matchs et tournois, puis vos matchs, et enfin on télécharge. Maintenant que c'est bon, avant de retourner sur CS2, il va falloir passer par les fichiers locaux pour déplacer le fichier .dm au bon endroit. Donc on va se rendre dans Steam, bibliothèque, CSGO, clic droit propriété, fichier installé, parcourir. On se retrouve donc dans le fichier principal, Counter-Strike Global Offensive, on va aller dans CSGO, replay, on trie par date pour trouver notre démo, puis on la renomme pour simplifier la vie. Ensuite on va la copier, CTRL-C, puis on revient dans Counter-Strike Global Offensive, on va aller dans Game, CSGO, et là on va pouvoir la coller avec CTRL-V. Il ne reste plus qu'à lancer CS2, mais avant on va quand même regarder comment récupérer les démos directement via Steam. L'intérêt de la méthode via Steam, c'est qu'elle permet de récupérer des démos qui sont bien plus vieilles, ça peut aller jusqu'à un mois, alors que la méthode avec CSGO, ça permet seulement de récupérer les 8 derniers matchs. On se retrouve donc dans Steam, on va aller dans Profil, Jeux, CSGO, Données perso, et ici on va aller dans Match première pour cliquer sur Download Go Replay TV. Attention, parfois il y a certains antivirus qui peuvent bloquer le téléchargement, donc si ça se lance pas, vous savez pourquoi. Donc on va en profiter pour vérifier qu'on est bien au bon endroit, donc on va dans le fichier Counter-Strike Global Offensive, Game, CSGO. Il nous reste plus qu'à donner un nom à la démo qui permettra de retrouver plus facilement le fichier, moi je vais juste mettre Inferno. C'est là qu'il faut surtout pas oublier de mettre .dm.bz2 pour que la décompression soit optimale. Encore merci à Matt de m'avoir éclairé sur cette partie, sinon j'y serai encore. Maintenant, il va falloir qu'on décompresse le fichier. Personnellement, j'utilise WinRAR. Clic droit, extraire ici, et on est bon. On va pouvoir enfin lire notre démo dans CS2. Donc on va taper Play Démo dans la console, suivi du nom du fichier. Je tiens quand même à rappeler que forcément, on ne peut pas lire les démos de CS2 dans CSGO, et inversement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très buggé, mais faut pas s'inquiéter, c'est juste au warm-up. Ça amène à des situations plutôt drôles. Mais normalement, sur le reste de la game, dans la plupart du temps, ça va. Donc, tout comme sur CSGO, on va faire Shift plus F2 pour ouvrir le Demo Viewer et retrouver notre bonne interface préférée d'il y a 20 ans. Classic. Plus sérieusement, avec Source 2, nous avons enfin une meilleure interface qui fait grandement plaisir quand même aux joueurs Counter-Strike. Alors, si on prend dans l'ordre, le premier icône, il nous permet de mettre en pause, de jouer, classique. Après, on va pouvoir reculer et avancer de 15 secondes. Et après, on va pouvoir changer les manches. Si vous cliquez au milieu du bouton, ça vous remettra au début de la manche. Et enfin, on peut accélérer et ralentir le temps. Ça, pas besoin de vous expliquer. Juste au-dessus, par contre, on a la timeline qui est composée de deux couleurs. Donc, chaque couleur équivaut à un round. Et c'est pour ça que forcément, il y en a qui sont plus ou moins longs. Pour ce qui est des keybinds, il n'y a pas grand-chose à savoir. On va juste faire les basiques. Espace, ça permet de passer de la première à la troisième personne. Et aussi d'accéder au mode caméra libre. Clic gauche et clic droit, ça va permettre de faire tourner les POV. Mais maintenant, grâce à CS2, vous pouvez aussi le faire au clavier avec la touche 1 à 0. CTRL va permettre d'ouvrir la minimap. Comme sur CSGO, il est possible de dessiner. Mais les traits ne disparaissent pas tout seuls ce coup-ci. La nouveauté, c'est que maintenant, on a deux couleurs qu'on peut customiser avec Z et X. Et si on fait espace, ça supprime le tout. Ça va quand même faciliter la vie des analystes et surtout des grands artistes. Pour le moment, il y a la raccourci du X-Ray qui ne fonctionne pas. Mais vous pouvez toujours taper spec show x-ray 0 dans la console et forcément 1 pour le remettre si vous voulez enlever les x-ray. Pour ceux qui veulent faire des clips ou juste retirer l'HUD, la commande c'est cl draw HUD false. Même s'il y a une nouvelle interface, il va être quand même possible de tout faire au clavier avec des binds. Donc je vais mettre les miens à disposition en description. Donc pour commencer, j'utilise déjà slash plutôt que shift F2 pour ouvrir le démo UI. Ensuite avec la commande go to tick, ça va nous permettre d'avancer ou de reculer. On a aussi la commande Demo Timescale qui va permettre de changer la vitesse. Et enfin la dernière commande que j'utilise énormément, forcément, c'est Demo Toggle Pause qui
qui va permettre de mettre en pause ou en play votre vidéo. Donc comme j'ai dit au début, il manque encore des commandes, et tout particulièrement la CL spec follow grenade key, qui de base permettait de suivre les tracés des nades dans CSGO et qui actuellement n'est pas disponible dans CS2. Donc la seule commande que j'ai trouvée qui était un petit peu similaire, c'est le SB grenade trajectory prac. Donc c'est celle que vous avez avec la petite vidéo en bas à gauche. Ça marche pas très bien et c'est très aléatoire. Dans tous les cas, même avec des petits défauts, c'est quand même bien pratique de pouvoir accéder aux démos dans CS2. On voit l'objectif de Valve qui est de transformer CSGO en un jeu plus accessible et surtout plus à jour au niveau interface. On attend la sortie officielle avec impatience. A plus.